Et nous revoilà donc pour cette épopée héroïque avec notre héros pathétique. Merde, j'ai rien trouvé d'autre qui rimait. Ça fait con maintenant. Je couperai ça au montage. Et nous revoilà donc pour l'épisode 12. Donc voilà, l'épisode 12. Donc si vous suivez les vidéos, je pense que vous vous souvenez. Ici, nous avons l'épisode de l'excavatrice. Je suis toujours aussi fort pour parler en direct. Donc, petit check de l'inventaire, hein. Pack de soins en masse, munitions un peu limite. Oh bas, avant que j'oublie. Donc, nous avons acheté la tenue niveau 4. On récupère les 2-3 packs qu'il y a là, le pack de force qui est planqué. Et nous lançons la. Ça. Oh mon dieu. Donc, je pense qu'au niveau de la voix, je me suis un peu calmé. Ou alors, je me suis habitué à parler vite. Ou je me suis surtout habitué à m'écouter vite. Ce serait une catastrophe. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, le débit de la voix s'il faut que vraiment je me concentre sur les prochaines séries. Ah merde, l'écho. Désolé pour l'écho. Tu devrais aller voir si tu peux la démarrer. Je vais chercher l'autre batterie. Ok. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ok. Et surtout, propose-lui un pack de soins, hein, espèce de gros boudin. C'est pas comme si t'en avais 50 en stock, hein. Non. Bon, les lances par terre, vous mieux les garder pour plus tard, en fait. Il voulait pas revenir, il a préféré se suicider. Alors, le truc que je déteste d'avoir. Oh, cette blague. Mais c'est pas vrai. Voilà, pas peine de gaspiller ces munitions. On envoie des mines, leur S retombe sur eux. Ah voilà. Ça, ce serait un coup à faire bugger l'extravatrice après. Genre bug de collision, l'objet remonte et il me tue. Ouais, quelle belle fin. Et c'est donc, voilà, la batterie. Nous allons enfiler dans ce moteur. Puis vous connaissez la suite, hein, aller chercher reste là-haut. Je viens de faire des hologrammes. Ouais, la jonction du circuit à fond. Il m'en faut une autre. C'est courant. Il doit y en avoir une autre. Ah bien. Une munition, je vais pouvoir l'acheter. Y'a quelque chose ? Non. Donc l'ennemi qui arrivera ici arrivera là. Noir, type crash, type vomissant. Et on va l'avoir en face aussi, hein. Mais ceux-là, je vais les prendre au fur et à mesure. Si t'es petit, je vais plutôt utiliser ça vu que je suis un peu limite dans les munitions. Bon, c'est un gros. Apparemment, le premier coup que je lui avais mis a été compté comme un. Bah, comme rien en fait, comme du blanc. Du beurre. Du blanc beurre. Puisque, enfin, j'ai quand même dû le bourriner pour qu'il en meure. Ok, rechargeons nos armes. Principe du jeu, quoi. Ouais, le truc principal du jeu, toujours rechargé. Ok, normalement l'autre il devrait pas faire long feu. On se met hors de possède du vomi quand même. Oh non, c'est fail. Oulala, on s'écarte de portée quand on va tirer dessus. C'est moi ou je lui ai arraché 3 jambes? Non, 2 jambes, c'est moi. Ok, on s'écarte un peu pour pas être une victime potentielle.
serait con de se suicider. Donc ouais, le détonateur, quelquefois vous appuyez sur le clic droit, ça les fait exploser, et quelquefois bah, ça vous les désamorce. Alors vu que je sais pas trop la logique, vaut mieux vous écarter. Ça doit être un set, ça doit exploser au bout d'un certain temps. Ou... Alors, dès que vous aurez mis le... On écarte ça de la trajectoire de l'extravatrice. Donc quand vous aurez mis en marche le machin, ça, ça va tourner sur la droite. Donc écartez-vous, hein, ce serait con de devenir une victime potentielle de cette horreur. Des gros petits vont, enfin des gros faibles vont arriver par là, des petits vont arriver par là, puis des petits vont arriver par là. Enfin, faut poser ça et puis faut faire ça. Il ne reconnaît pas cette jonction. Ça devrait aller tout seul. Ah, putain. Pour la petite histoire, il est 10h, donc il commence à faire nuit. Ça augmente un peu attention. Bien, on s'écarte assez rapidement, hein, pas de blague. Les détonateurs inutiles, je pense, vu qu'il va être en mouvement, le machin. Je vais tourner, prends-le. Et bien sûr, dès qu'il sera passé, dès qu'il sera de l'autre côté, on monte l'ascenseur sans trop attendre. Ah, cette blague! Allez, achetez des munitions avant de faire ça! Vous pourrez pas le faire après! Ah, le con! Sinon, bah, votre source de vie, bah, c'est ça! Ce qui est marrant, c'est qu'il y a censé y avoir des gros qui arrivent, mais... Le nata sert à rien. Oh là 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 là! Bon, les gros, ils arrivent que quand on est en bas. Alors, la tactique ici. Avec le fusil chercheur amélioré, ça passe assez bien. Il n'y a pas de gros qui monte. Vous restez ici. Surtout, vous l'allez... Alors, à gauche ou à droite, c'est risqué, puisqu'il y a ceux qui montent. Si vous allez là-bas, c'est un coup à prendre un coup, c'est un coup à prendre une frappe et partir là-dedans. Ce qui vous tue instantanément. Tant qu'à faire, on joue avec votre acte sur un principal, hein. Donc essayez de faire le show avec un fusil de merde. Enfin un fusil non amélioré, dirons-nous. Pour pas faire hurler les fans. Bon, vous voyez, c'est pas été touché, on abuse du bouton B, hein. On récupère les quelques munitions, les quelques points de vie qu'on peut avoir à droite, et munitions. Surtout là, on a des bons stocks. Il y a 2-3 zones où comme ça on a plusieurs stocks. Il faut repérer les crashers avant qu'ils nous attaquent. Il y en a encore, hein. Normalement on peut pas avoir les deux en même temps sauf à la fin. Enfin sauf si vous êtes rapide. Le but étant d'être rapide, hein. Vous avez vu avec le fusil chercheur. Ok, on abuse du 2. Donc tant qu'il y a personne, on les récupère. On dézoome pour le corps à corps. Vérifiez qu'il n'y a rien récupéré. Non, rien, merde, chien. Check rapide. Donc si on peut faire en sorte qu'il monte même pas, c'est parfait. Bon ben, il faut les toucher au bras quand même pour les tourner à coup. Le mec, on est touché aux jambes en fait, comme ça vous pouvez ramasser leurs munitions, pas leurs bras. Ok, nous y sommes. Ah ouais, nickel. Ah bah, exact. Merde! Ah oui, c'est vrai! On essaie de les avoir plus vite que ça. Espèce de gland. Ah merde. Ok, problème repéré. Plus de balles. C'était le pire qui pouvait m'arriver. Dans le cas probable où vous seriez dépassé,
Évitez les tirs et battez-vous contre les plus gros. Alors, pour pas être dépassé, le principe est simple, on achète des munitions avant d'aller sur le bateau. Enfin, sur ces trucs. On fait le plein des trucs, sinon on fait le plein aussi des armes qu'on trouve, même si c'est la fin là, je crois. On check rapidement les points de vie. Ouais, vous voyez, j'ai... à cause des créatures, j'ai pas pu buter. On recharge tant qu'on a pas... Ah ouais, fusil d'assaut aussi, si jamais vous êtes dépassé par les petits. Même par les gros, en fait. Normalement. Ok, on y est. On vérifie quand même, hein, il suffit d'un blagueur. Bon, la blague étant qu'il n'y a pas de stock pour la grosse scène dangereuse. Ah, j'espère que... Non, il faut que j'en ai... Il faut à tout prix que j'ai un stock avant d'arriver à la scène dangereuse. Celle avec la porte qu'on doit ouvrir et plein plein de noirs qui déboulent. Mais... cette fille est folle. On dirait qu'on a atteint les fondations du siège du gouvernement. Et comment y accéder? Droit devant. Nous avons une foreuse. Cette scène magnifique. T'as vu que je suis en haut de ce truc? Cette scène est magnifique. Elle en a rien à foutre. Ça c'est pour remettre après en égalité avec son œil. Là, désolé pour le freeze d'image. Si j'arrive en bas sans avoir eu de stock ou avoir trouvé une masse de munitions, je vais être dans la merde. Ces choses vont sûrement nous suivre jusqu'ici. Il va y avoir un ascenseur pour relier les différents niveaux. Cette porte gigantesque, gigantesque. 4 mètres. Ok, je me Oh putain, surtout que j'ai bien bouffé ma vie là à cause de... Ah! Épisode 13 les gens. Vous savez ce que ça veut dire. Et bien c'est donc parti pour l'arrêt de la vidéo. Donc cet épisode était plus court, hein, je crois que c'était que l'excavatrice. 12 minutes, 13 minutes même. Et bien les gens, ce sera une petite vidéo donc pour ceux que tu fassies. Non, pas la peine de dire non, ça sert à rien. La vidéo est finie depuis déjà une bonne semaine, même 13 jours en fait exactement. Sauf si je suis mort. Parce que là, bah, depuis plusieurs mois, et vous ne crierez pas au nom, puisque vous saurez que c'était la mauvaise version, on fait chier. Donc, ça me démotive bien avant de partir. Oula, je crois que je vois une araignée d'enfer chez moi. Donc, je vais vous laisser là. Donc, bah, bonne fin de ce que vous voulez à tous. Et on se voit donc demain ou plus tard. À plus tout le monde.